Chers frères, chers serviteurs de Dieu, les mots me manquent. Vous savez, ça n'a pas vraiment été facile pour moi. Entre mélanger travail et formation. À des moments donnés, le travail a voulu étouffer la formation. À un moment donné, j'ai voulu me décourager. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est moi qui t'ai envoyé à Nairobi. Quels que soient les vents et marées, vas-y, persévère. Et tu arriveras où moi je veux que tu arrives. Bien-aimé, dans cette prestigieuse école de Nairobi, il y a deux cours spéciaux qui m'ont marqué. Le premier cours est celui qui m'a vraiment challengé. Relation d'aide. Au travers de ce cours, dès le départ, tu vas voir ça venir comme une folie. Tu te demandes même, en fait, je suis venu chercher quoi même dans ce monde? Tout ce que j'ai fait n'a quasiment pas de sens. Je vais prêcher l'évangile à quelqu'un, s'il dit non, je m'en fous. Je vais prêcher l'évangile à quelqu'un, s'il a faim, je ne gère pas. C'est que il faut que mon évangile passe. Mais ce que j'ai compris au travers de ce cours, c'est qu'il faudrait d'abord que nous-mêmes, qui avons tellement accumulé des blessures émotionnelles, que nous puissions être guéris. Et lorsque nous sommes guéris, il est plus facile pour nous d'aller vers celui à qui nous prêchons l'évangile, de comprendre son problème et de l'accompagner dans un processus de guérison. Et j'ai compris par la suite, avec ce deuxième cours, discipulat, que tu ne peux pas faire le discipulat si tu ne comprends pas la relation d'aide. À un moment donné, tu vas te dire que les gens ne t'écoutent pas, que les gens sont concentrés sur les choses du monde. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Et dans le cours des discipulat, plus précisément en discipulat 6, j'ai compris quelque chose. C'est qu'il faudrait d'abord que le changement profond commence par moi-même. Que je me connaisse d'abord moi-même avant de pouvoir aller aider l'autre à se connaître et accepter le roi que je vais lui prêcher. Bien-aimé, il y a une chose pour boucler que je vais te dire. Tu es au bon endroit. En venant dans cette école, le Seigneur a beaucoup de choses pour toi. Ne rate pas cette occasion. Amen.